Rwanda dufite ubumwe n'amahoro duharanire twese amajyambere muvoma yakizatera imbere tuyikesha umukuru w'igihugu Habyarimana mugabo udacogora muvoma yakizahora imbere. Bonjour, je m'appelle Léon Habyarimana. En ce jour du 6 avril, je m'adresse à vous parce que ça va faire 30 ans que notre père nous a été enlevé. 30 ans, c'est en même temps beaucoup. Et c'est très peu, surtout pour des gens qui n'ont pas su faire leur deuil. Je profite de cette opportunité pour vous dire un peu de mots. Qui était le président Habyarimana, comment il a gouverné le Rwanda, quelles sont ses plus grandes réalisations et que reste-t-il de la présidence et de son héritage politique. Oui, Juvénal Habyarimana est né le 8 mars 1937 d'une famille paysanne très catholique. Il est né à Rambura, à Gisenyi, dans le nord du Rwanda, une région très montagneuse, de Nibaziri Kana et de Susana Nyirazuba, qui était très croyant. On a d'ailleurs deux de nos tantes qui sont devenues religieuses, et notamment mon père a failli devenir prêtre. Il a continué sa scolarité à Rambura et à Nyundo. Il a fréquenté le petit séminaire de Kabgayi, a continué ses études secondaires à Bukavu et il a été obligé d'aller à la faculté de médecine vu qu'il voulait faire médecine. Il est parti à l'université Lovanium à Kinshasa. Il a notamment rencontré des gens comme Ruta Seseswa et André Katabarwa, entre autres, qui sont devenus ses amis. Et à l'événement de l'indépendance, il est revenu à l'école des officiers parce que le Rwanda avait besoin d'officiers rwandais. Et il a été l'un des premiers de la première promotion dont il est sorti avec le matricule 001. Et il a suivi tous les cheminements militaires, il est passé de lieutenant. Et d'ailleurs, il a été porte-drapeau au moment de l'indépendance en 1962. Et il s'est marié avec notre maman, Agathe Kanziga, dans les années 1963. Il est passé chef d'état-major, il est devenu colonel et ministre de la Garde nationale. Et vers les années 73, il a été promu général-major. Pendant la guerre froide, un contexte géopolitique complexe dans lequel chaque pays devait se positionner par rapport aux deux influences est-ouest, le gouvernement burundais du colonel Micombero organise, en 1972, un génocide contre les Hutus du Burundi. Au cours de ce génocide, l'armée à dominance Tutsi massacre systématiquement les Hutus et surtout l'élite Hutu. Des massacres d'une ampleur inédite dans l'Afrique indépendante. Toute personne Hutu, dotée d'une quelconque éducation, enseignant, leader religieux, employé de banque, infirmière, commerçant, fonctionnaire a été ciblée. Arrêtés en masse, ils ont été exécutés par l'armée, faisant près de 300 000 morts et marquant ainsi un des chapitres les plus sombres de l'histoire du pays. Au Rwanda, comme au Burundi, les Hutus constituent 85% de la population, contre 14% pour les Tutsis. Le massacre des Hutus au Burundi voisin a donc provoqué une vive émotion et des réactions au sein de la population rwandaise. Les autorités rwandaises commencent à craindre une contagion, et surtout, la résurgence de vieilles rancœurs et d'un esprit de vengeance qui menacerait la fragile cohésion nationale que le pays s'efforçait déjà de reconstruire, après la révolution sociale de 1959. Le milieu universitaire, en particulier, était marqué par des troubles interethniques, alors qu'il représentait l'avenir du pays.
De plus, le contexte politique national était déjà tendu par des querelles internes au sein de la nouvelle élite politique post-indépendance, où certains responsables avaient été écartés pour avoir trahi le pacte, Ingwiza Murungu. L'appareil sécuritaire était également fragilisé par la marginalisation de certains hauts gradés de l'armée, récemment mutés à des fonctions qui, pour beaucoup, ne correspondaient pas à leurs engagements ou leurs compétences de militaires. C'est dans ce contexte que le général-major Habyarimana, en sa qualité de chef de la défense nationale, et ses camarades officiers supérieurs, ont pris la responsabilité de mener un coup d'État, motivé par le souci de restaurer et préserver la paix et l'unité nationale. Ce coup d'État militaire, qui a eu lieu à Kigali le jeudi 5 juillet dans la matinée, s'est déroulé sans effusion de sang et a porté Habyarimana à la tête du pays. La renaissance du Rwanda, l'ère d'Habyarimana. Le Rwanda, un petit pays enclavé sans accès à la mer, se trouvait à la croisée des chemins au début des années 1970. Malgré son indépendance récente, il était entravé par le manque d'infrastructures, une population peu alphabétisée et une économie agraire qui commençait à peine à se développer. C'est dans ce contexte que Juvénal Habyarimana, un leader visionnaire ayant servi comme ministre de la Défense depuis 1965, s'est hissé à la présidence en 1973, déterminé à pacifier et à transformer le destin de sa nation. Ascension au pouvoir de Habyarimana. Habyarimana, un homme façonné par la foi et l'ambition pour son pays, avait déjà contribué à amorcer le développement économique du Rwanda en tant que ministre. Toutefois, ce n'est qu'à sa prise de pouvoir dans un contexte national, régional et international extrêmement compliqué que sa vision pour le pays pourra pleinement s'épanouir. Conscient de la gravité de la tâche, il se lance dans un projet ambitieux pour revitaliser le Rwanda. Défis et stratégies. Face à lui, une montagne de défis. Le Rwanda était une mosaïque de communes rurales où 95% de la population vivait de l'agriculture. L'éducation était un luxe inaccessible pour beaucoup et le pays était isolé, sans beaucoup de routes bitumées ni immeubles administratifs suffisants. En effet, à l'époque de la colonisation, le territoire du Rwanda-Urundi était administré depuis Bujumbura, capitale économique du Burundi actuel. Ainsi, au moment de l'indépendance, le Rwanda n'avait pas d'aérogare moderne et la seule route bitumée allait de l'état-major à la maison du résident spécial, représentant du gouverneur du territoire colonial. Pour Habyarimana, la tâche était donc claire, bâtir depuis les fondations. Sa première grande initiative, en 1974, fut le Omuganda, un concept révolutionnaire de travaux communautaires visant à mobiliser les citoyens dans l'effort national de construction du développement. Les routes, les écoles, les hôpitaux, chaque projet devenait une affaire de la communauté, en pacifiant et unissant le peuple rwandais vers un objectif commun. Ce concept en a impressionné beaucoup dans le monde, et d'ailleurs Thomas Sankara a même envoyé une équipe d'observation au Rwanda, et s'en est inspiré pour créer les travaux d'intérêt commun au Burkina Faso où tout le monde retroussait les manches. De même, pour accélérer le développement économique, Habyarimana décentralise fortement le pouvoir, et la commune devient le centre de développement de base. Chacune des plus de 140 communes du Rwanda disposera rapidement d'une maison communale connectée au réseau téléphonique et le président pourra ainsi appeler à tout moment chacun des bourgmestres du pays directement, ce qui était un fait rare en Afrique dans les années 80. Réalisation et impact. Sous la direction de Habyarimana, le Rwanda a connu une métamorphose extraordinaire. Les taux d'alphabétisation ont grimpé en flèche grâce à une campagne nationale pour l'éducation et la vaccination. En 1991, le taux d'alphabétisation avoisinait déjà les 60%. Les infrastructures se sont multipliées, reliant les communes isolées et ouvrant de nouveaux horizons économiques. La stratégie était double, d'une part, réduire l'isolement en diversifiant les voies d'accès et de l'autre, dynamiser les échanges commerciaux en renforçant les liens entre les régions économiques. Un programme de modernisation des routes était lancé, étendant le réseau secondaire et reliant les communautés. Chaque route principale devait non seulement être asphaltée mais aussi intégrer les zones rurales dans l'élan économique. En une décennie, le réseau asphalté s'étirait à près de 1000 km, avec un réseau additionnel de routes en terre et de pistes agricoles s'étendant à travers tout le pays. Le réseau routier du Rwanda s'est affirmé comme un pilier fondamental de son infrastructure, jouant un rôle déterminant dans le soutien des activités économiques et la promotion de la connectivité à travers le pays. Les principales routes bitumées, reliant la capitale Kigali à diverses destinations clés, ne sont pas seulement vitales pour le transport interne mais facilitent également le commerce et les interactions culturelles avec les pays voisins. Ces routes connectent Kigali à des villes importantes telles que Musanze, Ruwenzori, près du parc national des volcans et sa célèbre population de gorilles de montagne, Kayonza et Rusumo pour le commerce avec la Tanzanie, Ouye, Butare, le centre culturel et académique, Rubavu, Gisenyi, pour le tourisme et le commerce avec la RDC, Gatuna pour les échanges avec l'Ouganda, et Rusizi, pour l'accès aux frontières avec la RDC et le Burundi.
Ces autoroutes sont essentielles pour stimuler les échanges économiques, académiques et touristiques, illustrant l'engagement du Rwanda à améliorer ses infrastructures de transport en vue de soutenir le développement économique et l'intégration régionale. En reliant des régions clés du pays et en facilitant un accès plus aisé aux marchés régionaux, le réseau routier rwandais contribue significativement à la croissance et à l'ouverture du pays sur le monde extérieur. Cette expansion et modernisation des infrastructures routières est indicative de la stratégie globale du Rwanda pour renforcer son économie et promouvoir une intégration régionale plus profonde en se positionnant comme un carrefour central pour le commerce et le tourisme dans la région. Parallèlement, le parc automobile connaissait une croissance exponentielle, symbolisée par l'augmentation du nombre de véhicules utilitaires essentiels pour le commerce et les services. Entre 1964 et 1982, le nombre d'unités avait grimpé de 1425 à 17948, grâce à une politique de crédit avantageuse et à l'amélioration des conditions d'infrastructure. Les comptages routiers témoignaient de cette dynamique. Le trafic moyen sur les routes rwandaises avait explosé, passant de 30 véhicules par jour en 1963 à 943 en 1981. Kigali-Kanombe, le tronçon le plus fréquenté, reflétait cette croissance spectaculaire. À la fin des années 1980, le réseau routier du Rwanda ne constituait plus un obstacle majeur à l'économie grâce aux améliorations et entretiens qui avaient été effectués. C'est ainsi que dans la paix et l'unité nationale, va naître une nouvelle classe d'hommes et de femmes d'affaires qui va s'enrichir en investissant dans les transports grâce aux taxis-minibus. Agriculture. L'agriculture constitue le socle de l'économie rwandaise, une réalité réaffirmée par l'adoption de méthodes agricoles modernes et l'introduction de cultures à plus forte valeur ajoutée. Cette évolution, cependant, est freinée par l'utilisation persistante d'outils traditionnels tels que la houe, ainsi que par un accès limité au financement et aux technologies avancées. Pour surmonter ces obstacles, des coopératives agricoles ont été formées, permettant aux agriculteurs de mutualiser leurs ressources et d'accéder plus facilement à des solutions de financement. Une des innovations politiques de Habyarimana consistera à recourir à l'utilisation des ONG pour accélérer et harmoniser le développement dans tout le pays. Malheureusement, la dégradation et l'érosion des sols demeurent des défis majeurs pour l'agriculture rwandaise. Face à ces enjeux et à la forte densité de population, le modèle d'agriculture industrielle extensive et de monoculture à l'occidentale a été rejeté, afin d'éviter une détérioration accélérée de la qualité des sols. Dans ce contexte, la protection de l'environnement est devenue une priorité gouvernementale, menant à la création de parcs nationaux tels que les parcs de Birunga et de l'Akagera, qui servent désormais de sanctuaires environnementaux et de destinations touristiques. Ces espaces protégés, de la forêt primaire de Nyungwe au sud-ouest, du parc de la Kagera à l'est, au parc des volcans au nord-ouest, témoignent de l'engagement du Rwanda à préserver sa biodiversité unique. Malgré la vaste exploitation agricole qui transforme le pays en une immense mosaïque maraîchère, ces zones restent inviolées par l'activité humaine. En ce qui concerne la production de café, une composante clé de l'économie rwandaise, le Rwanda a embrassé cette culture au début du 19e siècle avec l'arrivée des colons allemands. Les conditions climatiques locales se sont avérées idéales pour la culture du café, et sous la présidence de Habyarimana, le secteur se professionnalise et s'industrialise, en partie grâce aux coopératives, ce qui permet au pays d'atteindre un pic de production record dans les années 80 avec plus de 400 000 sacs de café exportés, constituant à cette époque près de 70% des recettes d'exportation du Rwanda. Éducation. Après avoir réglé le problème des infrastructures, Habyarimana s'attaque au problème de l'éducation. La population étant en forte croissance et les moyens limités, il fallait tout de même trouver un moyen d'enclencher la deuxième étape de la transformation économique du Rwanda. La réforme scolaire fut donc introduite, d'une part, pour adapter le programme scolaire belge hérité de la colonisation, à la réalité rwandaise, mais également pour rajouter une septième et une huitième année à la fin du cycle des études primaires. Ces deux années supplémentaires étaient en fait des filières professionnalisantes où l'on apprenait la maçonnerie, la couture, la mécanique, la poterie, etc. et qui permettait ainsi à ceux et celles qui ne pourraient pas forcément accéder aux études secondaires de pouvoir se former et trouver un métier capable de les rendre autosuffisants. En même temps, d'immenses efforts ont été déployés pour accroître significativement le nombre d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur, notamment dans les zones urbaines, et pour encourager le secteur privé à contribuer à l'expansion de l'offre éducative, malgré le défi herculéen de suivre le rythme d'une population en augmentation annuelle de 3%. Le cercle vertueux de la bonne gouvernance et de l'aide au développement. Sous la présidence de Habyarimana, la bonne gouvernance au Rwanda est érigée en religion d'État et les deniers du pays sont gérés avec parcimonie et en bon père de famille, à tous les niveaux. Comme exemple de la gestion rationnelle du patrimoine de l'État, on peut citer, entre autres, une méthode stricte d'attribution des véhicules de fonction aux agents de l'État ainsi que le contrôle de l'usage et de la consommation de carburant. Le président Habyarimana a tout au long de sa présidence géré le pays avec prudence et n'a pas cédé à des projets extravagants qui auraient pu endetter inutilement le pays.
En effet, en 1987, la dette du Rwanda se montait à seulement 28% du PNB, soit un des taux les plus bas d'Afrique. L'économie était équilibrée et la monnaie était assez stable, dans la mesure où elle servait de devise forte dans la région. Ainsi, pendant les années 80, le Rwanda était considéré par la Banque mondiale et par d'autres comme une économie africaine réussie, avec une dette modérée, comparée à celle de la plupart des autres pays du continent. Raison pour laquelle, de nombreux bailleurs de fonds parlaient régulièrement de la Suisse d'Afrique en faisant référence au Rwanda du président Habyarimana. Développement du tissu économique. Au fur et à mesure que le pays se développe, l'administration se professionnalise et s'agrandit. Cela permet de développer un début de classe moyenne, en s'appuyant sur le personnel des administrations et surtout sur le personnel chargé de l'éducation. Les employés administratifs, et surtout les enseignants et les professeurs, sont des membres éminents de la société rwandaise, ils sont payés avec une régularité sans faille par le gouvernement. Le gouvernement de Habyarimana met en place des parcelles viabilisées et des mécanismes de financement via la caisse d'épargne et la caisse hypothécaire qui leur permettent d'acquérir ou de construire leur première maison et ainsi pleinement entrer dans la classe moyenne. De même, le gouvernement met la pression sur les banques locales, généralement des filiales de grands groupes internationaux, pour qu'elles débloquent des crédits plus facilement pour les entrepreneurs rwandais. En effet, à l'époque, il était commun que les filiales de ces grandes banques internationales demandent systématiquement l'autorisation à leur maison mère pour les opérations de crédit. Le gouvernement de Habyarimana, via la Banque nationale du Rwanda, a convaincu ces banques de fortement relever le niveau des crédits qui pouvaient être autorisés localement sans devoir remonter jusqu'au siège de la maison mère. Cela a entre autres permis l'émergence d'une élite économique, capable de se lancer dans la compétition au niveau régional. L'ouverture des secteurs économiques aux opérateurs privés a également engendré de beaux succès, comme dans l'imprimerie avec l'imprimerie de Kigali, dans les assurances avec la Soras, dans l'exportation de tabac avec Premier Tobacco Company Ltd, ou l'industrialisation dans les produits à base de matières plastiques comme avec Mironko Plastic Industries. Ou encore dans les produits pétroliers, qui ont fait la fortune d'hommes d'affaires comme Kajegwakwa Valens et plusieurs autres familles de commerçants très connus qui font désormais partie de l'élite du pays. Toutefois, pour éviter l'émergence de monopoles qui viendraient miner le développement économique et le bien-être des Rwandais, l'État comme opérateur économique fait aussi la promotion de la concurrence dans le secteur privé. En conclusion, au-delà des chiffres et des projets, c'était l'esprit du Rwanda qui avait été transformé. Habyarimana avait insufflé un sentiment de fierté, d'opportunité et de possibilité, montrant qu'ensemble, un petit pays pouvait surmonter ses limitations géographiques et historiques. Le président a concentré ses efforts sur les besoins réels du pays, comme l'éducation, la santé et l'adduction d'eau dans un pays montagneux, plutôt que de rechercher des réalisations spectaculaires pour épater les étrangers ou se glorifier. Il a refusé de s'endetter pour des projets prestigieux mais non essentiels. Tout de même, dans son ambitieuse vision de développement, le président Habyarimana marque indiscutablement l'avènement d'une nouvelle ère pour le Rwanda. Il a initié la construction de centres de santé et de dispensaires dans chaque commune, garantissant un accès universel aux soins et éradiquant les distances qui séparaient autrefois les citoyens des services de santé vitaux. Il a modernisé l'administration avec la construction de bâtiments pour toutes les préfectures et sous-préfectures et en instaurant une structure gouvernementale robuste et décentralisée. Il laisse également au Rwanda des infrastructures stratégiques de qualité, à commencer par un des réseaux routiers le plus dense et performant du continent, mais également des édifices qui ont survécu à l'épreuve du temps, comme le village Uruguiro, qui abrite les bureaux officiels du président de la République. Le CND, bâtiment qui abrite toujours le Parlement aujourd'hui. L'aéroport international de Kigali, anciennement nommé Grégoire Kayibanda. Plusieurs aéroports régionaux, qui demeurent des pivots essentiels pour le transport aérien au Rwanda, ainsi que de nombreuses gares routières à travers le pays. Le stade national Amahoro, qui, après avoir célébré plus de 3 décennies d'événements nationaux, est en cours de rénovation pour continuer à accueillir les générations futures. Les 3 parcs nationaux de Nyungwe, Akagira et Birunga, véritables trésors touristiques et temples de la biodiversité. Bonjour, mon nom est Marie-Rosa Habyarimana. Je suis la 4e de la fratrie de 8 enfants. Étrangement, mon père aussi était numéro 4 d'une fratrie de 8 enfants aussi. Et ça m'a fait un plaisir de vous parler un peu de l'aspect familial. Parce que j'ai grandi en ayant un père depuis que j'ai l'âge de la raison, que j'avais vu comme, j'ai connu comme un père qui était vu par tout le monde comme le président du Rwanda. Mais moi, je l'ai connu comme un père aussi à la maison. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir qui il était comme père. Premièrement, c'est un homme qui avait beaucoup, énormément un esprit familial très attaché.
à la famille, non seulement à sa famille directe, mais à sa famille élargie. Et il avait beaucoup de sens de l'humour. Il nous apportait beaucoup d'animation, beaucoup de joie à la maison. Un père très présent, malgré les énormes responsabilités d'un chef d'État. Vous pouvez imaginer l'énorme, la masse de papier, de paperasse qu'il devait régler. Mais il s'arrangeait toujours pour avoir le temps à consacrer à ses enfants et à s'intéresser à notre éducation et à nous parler. Et c'est ainsi qu'on découvrait son intelligence. Il avait vraiment de la connaissance dans tous les aspects, tous les domaines de la vie. Bon, il nous parlait évidemment de sa passion en médecine, et puis il aimait beaucoup la nature. Alors, dans les moments de divertissement, il nous amenait, il nous promenait en voiture, visiter les parcs nationaux. Et c'est ainsi qu'on a visité aussi toutes les préfectures du pays, parce que c'était quelqu'un qui était très attaché à son pays, et il nous a fait beaucoup aimer notre pays. C'était une grande fierté. Et je me souviens que dans l'éducation, comme il prenait l'égalité, tout d'abord, donc, on sait qu'on vient d'une culture africaine, rwandaise, où on doit beaucoup de respect à l'homme. Mais dans notre éducation, il nous traitait tous au même pied d'égalité, que ce soit les filles, les garçons, les plus jeunes, les plus grands. Et on pouvait le suivre par l'exemple, parce qu'il le manifestait aussi à l'égard des autres personnes. Par exemple, on voyait quand il rencontrait ses homologues des grandes puissances, le respect qu'il leur accordait, c'était le même que celui qu'il allait accorder à un paysan qu'il va rencontrer quand on allait dans la région natale, par exemple, rendre visite aux grands-parents et aux oncles, aux tantes. Et il était toujours fidèle à lui-même dans la politique qu'il a menée, ce qu'il faisait transparaître, les désirs, la priorité qu'il mettait sur le bien-être de la population. Ça transparaissait aussi dans sa façon d'être en tant que chef d'État qui était rassembleur. Et c'était un homme pacifiste, très pacifique. Il n'aimait pas du tout le mensonge. Il était très honnête, très droit, très intègre, très juste. Et par exemple, j'ai une anecdote. Comme on était des enfants de chefs d'État, on côtoyait des enfants venant d'autres pays ou des enfants des personnalités peut-être importantes. Et la plupart de ces enfants, il y en a qui parlaient français, et nous, on a étudié dans des écoles rwandaises où la langue rwandaise qui est riche, on pouvait apprendre toutes nos leçons en Kinyarwanda, parce que les gens sont étonnés d'apprendre que quand on étudiait, on apprenait toutes nos matières dans la langue maternelle, alors que dans la plupart des autres pays d'Afrique, on apprenait dans la langue du colonisateur. Mais nous, la langue était très valorisée et la valeur et la fierté de l'appartenance rwandaise était valorisée. Donc, on apprenait dans la langue maternelle, ce qui fait qu'on n'avait pas une maîtrise totale du français. Et quand on rencontrait les autres enfants des pays étrangers ou bien même des enfants de commerçants qui fréquentaient des écoles françaises ou belges, ben, on les enviait un peu, on voulait parler le même français qu'eux, et puis on demandait, on suppliait à notre père de nous inscrire aussi à l'école belge ou française. Et puis tout simplement, il nous disait, ben, tout d'abord, vous n'êtes pas français, vous êtes rwandais. Et vraiment, le système d'éducation rwandais n'a rien à envier au système étranger. Alors, s'ils apprenaient l'histoire de la France, est-ce que ça va vous apporter en tant que Rwandais? Et plutôt que de payer des frais qui vont coûter plus cher, je préférerais plutôt les investir dans le développement de l'éducation pour donner la chance aux deux autres enfants qui sont défavorisés, parce que lui, dans sa politique, c'était de faire développer toute la population
de façon harmonieuse. Donc, c'est comme ça que du temps de sa gouvernance, le pays rwandais, il était vraiment reconnu pour être le pays où le niveau d'inégalité était au plus bas. Et en tant que rassembleur, il disait que c'est le président de tous les Rwandais, qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils soient à l'intérieur, de quelque origine ethnique ou de quelque région que ce soit, c'était vraiment un père rassembleur. Et à la maison aussi, il était rassembleur. Et c'est en peu de mots ce que je peux dire sur mon père. Oui, un autre point important que je peux dire sur mon père, c'est vraiment sa simplicité. J'imagine que ça peut provenir non seulement de sa personnalité, mais aussi de ses origines, parce que c'est un fils d'un cultivateur et un fermier. Et il s'est jamais vu supérieur aux autres à cause de son titre. Et dans notre éducation, c'est aussi ce qu'il nous a transmis. On ne s'est jamais estimé supérieur aux autres enfants parce qu'on était les enfants d'un tel. Au contraire, il nous faisait comprendre que c'est un exemple qu'on doit donner aux autres de la fierté d'être rwandais. Et donc, ça, là, pour ce qui est de la simplicité, je peux encore donner une autre anecdote que à la maison, il n'aimait pas beaucoup les protocoles. Et comme c'était un homme intègre et juste, il n'aimait pas beaucoup dépenser. Et il nous a enseigné à être vraiment gérer l'argent de façon sage, et au lieu d'aller encore se payer des chefs cuisiniers et des domestiques et des serveurs, nous à la maison on menait une vie simple de comme tous les Rwandais, où les enfants étaient appelés aussi à servir. Et alors quand on avait des invités, il appelait tel Marie-Rose, Léon, est-ce que vous pouvez venir aider à servir les invités, même quand c'était des invités de marque. Et puis les gens étaient étonnés, est-ce que vous n'avez pas de domestique? Ben, nous on vit une vie normale comme tous les autres Rwandais, et ça lui faisait plaisir. Et même quand on faisait des sorties, parce qu'il aimait bien sûr un grand amateur de la nature, il aimait aller nous faire découvrir toutes les sortes de végétation qui poussaient au Rwanda, et les différentes préfectures, d'aller voir les parcs, les gorilles de montagne, le parc de la savane avec les animaux sauvages. Puis on aimait aussi aller explorer voir comment le pays évoluait. Il aimait bien faire les visites surprises dans le milieu, dans la population. Et quand les gens le reconnaissaient, ils arrêtaient la voiture pour le saluer, et ils n'hésitaient pas à sortir, donner la main à la population, parce qu'il était vraiment très proche de la population. Et il arrivait que les gens viennent lui dire, voilà, bon, ils lui racontent ce qui se passe dans leur vie au quotidien. Il était à l'écoute. Et une fois, une autre anecdote que je peux raconter. Donc, comme il n'aimait pas beaucoup trop le protocole, quand on sortait pour faire des visites privées, les promenades en famille, donc on était dans la même voiture, mon père qui conduisait, ma mère aussi devant, et les enfants derrière. Et il arrivait donc que la voiture d'escorte de la garde présidentielle devait quand même suivre, parce qu'étant chef d'État, mais il suivait de loin, de façon discrète. Et bon, il arrivait donc, parce qu'il avait donné l'instruction à l'équipe de la sécurité de se faire le plus discret possible. Donc, il devait s'éloigner. Alors, quand il s'éloignait trop, parfois,
bah, on s'amusait à aller plus vite et les semer. Et puis après, ils nous perdaient de vue. Et puis c'était maintenant un autre jeu de la recherche. Les scouts qui devaient faire la recherche du président et sa famille. Et puis, une fois, on est arrivé dans une région où donc la population arrêtait mon père pour le saluer. Et puis, ils ont dit à mon père, au fait, il y a des gens ici qui sont en train de vous chercher, de demander après le président, est-ce que vous avez vu où est passé le président? Et nous, on leur a rien dit parce que on sait pas s'ils voudraient vous faire du mal. Donc nous, on savait que vous étiez passé par là, mais nous, on leur a caché, on leur a rien dit. Donc ça, c'est une autre histoire pour dire la complicité qu'il avait avec la population et l'attachement que la population lui adressait. Et puis, je peux aussi parler de sa sincérité du cœur. Il était vraiment un homme tellement qui avait de la foi, l'espoir dans les gens et dans quoi il s'engageait. Il était honnête à sa parole, il était sincère. Et donc, je peux donner un exemple parce que moi, ayant fait les études en langue, donc j'ai parlé l'anglais. Bon, le Rwanda était un pays francophone, mais j'ai appris l'anglais à l'école. Donc il arrivait qu'il m'appelle pour faire jouer le rôle d'interprète auprès des amis, et parfois même dans un cadre officiel. Mais bon, il avait des interprètes officiels, mais il arrivait que si jamais il a besoin de ou bien c'était pour un peu m'exercer un peu, ou bien s'il veut parler des choses personnelles, il m'a demandé d'interpréter. C'est comme ça par hasard que j'ai eu la chance de l'accompagner quand il est allé faire les fameuses signatures des accords d'Arusha le 4 août en 2013. Et moi, j'étais là on est en 2024 parce qu'on est en train de se rappeler le 30e anniversaire, et puis on a du mal à croire que 30 ans viennent de passer. Et donc un an avant quelques mois avant son assassinat en 2013, quand il est parti avec sincérité, faire les signatures des accords d'Arusha, je l'accompagnais. Et quand je dialoguais avec lui et quand j'ai dû jouer le rôle d'interprète, je voyais dans son cœur qu'il avait la volonté réelle que vraiment il y ait la paix. Il était prêt à tout faire pour qu'il y ait la paix. Il avait la foi en ceux qui venaient signer avec lui, dont je l'ai vu serrer la main de ceux qui l'ont attaqué et ceux qui l'ont traité de tous les maux, mais pour la paix. Il était prêt à se battre, rien pour retrouver la paix du peuple rwandais auquel il tenait, parce que c'était sa priorité. Et il a mis la paix jusqu'à donner sa vie. Et ça, c'est l'aspect de l'homme familial et ce qu'il était vraiment. Et je voudrais aussi parler un peu de son héritage. Donc, on sait qu'il a fait beaucoup de choses pour le pays. Il s'est sacrifié et on l'a partagé avec le peuple, et on le voyait un grand travailleur qui se démenait, mais il ne s'est pas démené pour rien, parce que nous, on a pu constater, on a pu vivre les résultats de ce qu'il a réalisé, parce que l'époque où on a grandi au Rwanda, c'était une période pacifique, et on peut reconnaître encore une fois que c'était le temps de son régime. C'est la période la plus longue de la paix, de la période de paix consécutive la plus longue que le Rwanda ait jamais connue. Et ça, on peut en être fier, parce que nous, on n'a jamais connu de guerre jusqu'à ce qu'il y ait l'attaque
du FPR, le Front Patriote, le Front Patriotique rwandais en 1991 et avant ça, en 90, le 1er octobre 1990. Mais avant ça, on ne faisait même pas de distinction entre une personne qui vient de telle région, nord-sud, ou bien personne ou tout-outil, ça, on ne s'est jamais soucié. On a commencé à penser à ces distinctions seulement après la guerre. Et pour dire qu'un des héritages qu'il a laissé, c'est vraiment la paix et la stabilité pour le pays. Et pour preuve, tout a basculé seulement après son assassinat. Parce que tant qu'il était en vie, il n'aurait jamais permis qu'il y ait un tel désastre. Il n'aurait jamais permis, il aurait vraiment, il aurait défendu tout le peuple avec bec et ongles. Et c'est ça qui est arrivé parce qu'il s'est allé jusqu'à se sacrifier. Il a donné le développement aussi de l'économie partagée parce que c'était sa priorité pour améliorer les conditions de vie des masses paysannes, parce que lui, venant de cette vie paysanne, il était proche, il connaissait, il savait, et il avait à cœur le bien-être de la population, et dans sa gouvernance, il a vraiment tout fait pour la gouvernance de la chose publique. Il a tout fait pour améliorer toutes les infrastructures routières, le système d'électrification, le système de télécommunication, la santé, le système de santé. Et il a jamais voulu investir dans des projets extravagants, prestigieux, qui pouvaient amener le pays dans des endettements peut-être voir sa gloire pour impressionner les gens du monde extérieur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup voyagé non plus, parce qu'il était vraiment très appliqué au développement du pays. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas été beaucoup connu à l'étranger, parce qu'il ne passait pas son temps à faire des voyages. Si c'était des voyages, c'était pour de l'aide au développement. Et on peut dire aussi de ça l'importance de la priorité nationale qui a été de développer le pays sans nécessairement donc chercher à ce qui impressionne comme qui va frapper, mais il cherche tout ce qui va apporter la population à se développer sur toutes les couches, toutes les classes. Par exemple, la télévision rwandaise, il y a beaucoup de gens qui lui demandaient comment ça se fait que le pays n'ait pas de télévision dans les années 80. Les autres pays limitrophes avaient la télévision nationale, mais lui, il a voulu d'abord investir cet argent dans les biens qui allait faire développer le pays, et la télévision n'est arrivée que dans les années 90. Et quand on lui posait la question, donc il a dit, est-ce que ça va profiter aux paysans qui est dans le village, la télévision? Alors, au lieu que ça profite aux gens qui sont dans les villes, qui vont peut-être l'utiliser pour le divertissement, passer la journée à regarder les films de cowboy, là, c'est pas profitable pour le pays, parce qu'il veut que tous montent comme un seul peuple et éviter les inégalités. Et il a beaucoup misé sur la diplomatie internationale, et pendant son régime, il a régné la collaboration. On avait vraiment une politique de bon voisinage avec les pays limitrophes, avec la création de la communauté économique des pays des Grands Lacs, et il y avait la libre circulation aussi des biens et des personnes à l'intérieur du pays et entre ces pays. Donc il n'y avait pas de méfiance entre les pays voisins. Et c'est sa l'unité, il a beaucoup travaillé sur l'unité, l'unification de la population et sur l'éducation et le développement des talents. Il voulait absolument centrer
l'éducation sur l'autosuffisance, ne pas compter sur les pays étrangers et miser sur l'intelligence et l'autosuffisance alimentaire aussi au pays. Et la prospérité économique aussi a caractérisé le régime de mon père, parce que à l'époque de sa gouvernance, le produit intérieur brut par habitant était le plus haut des pays voisins, de tous les pays de la région, des pays voisins du Rwanda. Ça, c'est une des choses que je pouvais citer pour résumer un peu les réalisations du journal à Pierre-Humane. Je peux donner d'autres exemples pour les chiffres qui indiquent les réalisations de Juvenal Habyarimana. Quand il a pris le pouvoir dans les années 70, le PIB par habitant au Rwanda était le plus bas des pays voisins. Et en 1992, le PIB était monté et le Rwanda maintenant avait le PIB par habitant le plus haut de tous les pays voisins. Ça, c'est une réalisation qui est indiquée par les chiffres. Et un autre exemple, je peux parler de l'alphabétisation. Dans 1978, l'alphabétisation était à 38%. Et quelques années plus tard seulement, en 1991, l'alphabétisation, le taux était de 58%. Et c'est pour dire le travail qui est concentré sur toujours le développement de la population. Et aussi, il avait beaucoup mis la priorité sur le développement de l'infrastructure routière, ce qui fait que le Rwanda avait 1000 kilomètres de route butinée. C'est les axes, les grands axes du corridor qui relient le nord, Mombasa, au sud, à Dar es Salaam, parce que le pays était un pays enclavé. Il dépendait donc énormément sur le réseau routier. Et qui fait que le Rwanda, ce développement de l'infrastructure avait rendu le Rwanda un hub commercial important. Et c'est ce réseau routier est la base de ce que le Rwanda est en train d'utiliser actuellement, ce qui représente plus de la moitié du réseau routier bitumé actuel. Pour mettre les choses dans leur contexte, il faut rappeler que fin des années 70, début des années 80, la gouvernance en Ouganda, les différents gouvernements qui se sont succédés en Ouganda, n'assuraient pas une relation, n'assuraient pas un cadre de relation apaisée avec ses voisins. D'ailleurs, je tiens à rappeler que dans les années 80, début des années 80, le président Obote a expulsé des dizaines, 50 000 rwandophones vers le Rwanda sans encadrement et de façon manu militari carrément. Et donc c'est dans ce contexte-là, avec les autres pays limitrophes aussi, qui n'étaient pas du tout rassurés par la façon de gouverner de l'Ouganda, justement du gouvernement ougandais, et qui n'étaient pas du tout rassurés. Et c'est dans ce cadre-là que ces gouvernements, ces différents pays, les chefs d'État de la sous-région, se sont concertés et se sont mis ensemble pour décider justement d'aider à un changement de pouvoir en Ouganda. Et c'est dans ce contexte que le président Habyarimana, avec d'autres présidents de la sous-région, dont le président Mobutu, ont facilité l'avènement du président Museveni au pouvoir en Ouganda. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le président Museveni disposait d'une chambre à l'année à l'hôtel méridien de Kigali durant toute la durée de la lutte armée avant son accession au pouvoir. Et c'est justement dans ce contexte-là
que les choses se sont passées ainsi, que donc le changement du pouvoir en Ouganda est intervenu. Et l'idée qu'avait le président Habyarimana, l'espoir qu'avait le président Habyarimana et chaque président de la région, de la sous-région avait un espoir justement derrière ce changement de régime en Ouganda. Mais en ce qui concerne le Rwanda particulièrement, c'est que le président Habyarimana espérait que le problème des réfugiés rwandais, qui le tenait quand même à cœur, pouvait être résolu avec l'arrivée du président Museveni. On s'est venu au pouvoir, et d'ailleurs le président Habyarimana n'ignorait pas non plus que au sein des personnes qui aidaient Museveni à prendre le pouvoir, il y avait aussi un nombre assez conséquent d'anciens réfugiés rwandais. Et donc c'est dans cette recherche de solutions, justement de solutions pérennes pour le problème des réfugiés rwandais, qu'il a aussi, avec les autres chefs d'État de la sous-région, qu'il a accepté de s'engager dans cette voie d'aider justement à un changement de pouvoir en Ouganda et aider Museveni à prendre le pouvoir, ce qui normalement devait apaiser la sous-région. Malheureusement, la paix escomptée à l'époque n'est jamais arrivée. Il faut dire que à l'avènement de Museveni au pouvoir, la première visite officielle qu'il a faite à l'étranger, c'était au Rwanda. Et c'était en 86. C'est le jour de son accès, l'année de son accession au pouvoir. Et durant cette visite, il n'a eu de cesse de répéter que le Rwanda était désormais en paix et qu'avec lui au pouvoir, en Ouganda, le Rwanda ne pouvait pas être attaqué à partir de l'Ouganda. Et ce discours, il a eu à le répéter à toutes les visites qu'il a eu à faire au Rwanda. Il n'a jamais de cesse répété que le Rwanda ne pouvait jamais être attaqué à partir de l'Ouganda. Il s'était érigé en rempart pour la paix au Rwanda, malgré tout cela, malgré tout ce discours, on n'arrêtait pas d'entendre des bruits de bottes. Et des rumeurs justement qui parlaient d'attaques imminentes à partir du Rwanda. Mais le président Habyarimana, étant un homme de paix, il a quand même donné de la chance aux négociations, de la chance au dialogue, et il a continué à avoir des relations avec Museveni dans l'espoir justement de faire en sorte que ces rumeurs de guerre ou ces rumeurs d'attaques qu'on continuait à avoir, ne puisse jamais se mettre ne puisse jamais être une réalité. Et donc, à partir de là, le président Habyarimana a continué à rencontrer le président Museveni. Il se déplaçait lui-même régulièrement en Ouganda, où le président Museveni venait souvent au Rwanda. Mais malgré cela, ces rumeurs d'attaque continuaient. Et le président Habyarimana, en même temps, sachant que le président Museveni allait probablement utiliser le problème des réfugiés, il a favorisé à ce qu'il y ait en place une commission. Il a mis d'ailleurs au Rwanda en place une commission chargée d'étudier le problème des réfugiés rwandais. Et après, il y a eu notamment aussi des rencontres bilatérales entre le Rwanda et l'Ouganda avec une commission, la mise en place d'une commission interministérielle des deux pays pour étudier le problème des réfugiés rwandais. Et donc le côté rwandais s'est investi à fond dans cette démarche. Et d'ailleurs, l'OUA, à l'époque, l'ancêtre de l'Union africaine, s'était aussi impliqué dans ce processus-là, notamment le Haut Commissariat des réfugiés aussi, qui s'était impliqué dedans. Et donc, vraiment, le Rwanda a donné tous les gages nécessaires pour trouver une solution à ce problème. Mais il s'est avéré que malgré que le président Museveni continue à répéter les mêmes discours en disant que le Rwanda ne pourra jamais être attaqué à partir de l'Ouganda, et qu'il jouait un peu comme s'il acceptait aussi
de participer à ce processus de recherche d'une solution pérenne et basée sur la paix et la bonne entente de tous les pays, mais que le problème des réfugiés rwandais puisse être résolu. Malgré cela, le président Museveni a continué à avoir d'autres plans derrière qui étaient justement d'aider ces réfugiés-là à revenir au Rwanda, mais pas dans le processus qui était engagé, donc pas dans un processus de paix, mais plutôt revenir au Rwanda avec les armes, par la force, et prendre le pouvoir au Rwanda. Un peu comme ce qui se passe actuellement au Congo, le 1er octobre 1990, le Rwanda se trouve attaqué par l'armée ougandaise sous couvert de la défense des intérêts des réfugiés et de l'instauration de la démocratie au Rwanda. Un peu comme ce qui se passe actuellement au Congo, le 1er octobre 1990, le Rwanda se trouve attaqué par l'armée ougandaise sous couvert de la défense des intérêts des réfugiés et de l'instauration de la démocratie au Rwanda. Lorsque le Rwanda s'est fait envahir par l'armée ougandaise en octobre 90, le président Habyarimana se trouvait à New York, au siège de l'ONU, où il venait quelques jours avant de participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a demandé directement au Conseil de sécurité d'intervenir parce que il estimait que le Rwanda venait de se faire d'être envahi par un pays étranger, un pays voisin, et malheureusement certains membres du Conseil de sécurité ont bloqué cette résolution, cette demande du Rwanda, en disant que c'était des Rwandais qui voulaient rentrer dans leur pays. Et c'est dans ce contexte-là que les États-Unis ont proposé au président Habyarimana de ne pas rentrer au Rwanda, et lui ont proposé l'asile politique, lui et sa famille. Le président Habyarimana a bien évidemment refusé cela, et il est rentré directement au Rwanda pour faire face à cette agression que l'Ouganda venait d'imposer au Rwanda. Et en rentrant au Rwanda, il a fait une halte à Bruxelles et notamment aussi et à Paris pour faire jouer la coopération militaire et qu'il y avait entre les deux pays et le Rwanda pour qu'il y ait une assistance par rapport à cette agression que le Rwanda venait de subir. Et donc le président Habyarimana, quand il est arrivé au Rwanda le 4 octobre 1990, il a réorganisé la riposte et la résistance par l'armée rwandaise, qui malheureusement n'était pas une grande armée, parce que à l'époque le Rwanda ne mettait pas l'accent sur la chose militaire, mais plutôt sur le développement du pays. Et donc à partir de ce moment-là, il y a également le Zaïre. Il a demandé l'aide au Zaïre, et le maréchal Mobutu à l'époque a envoyé un contingent de l'armée zaïroise qui s'est battu aux côtés de l'armée rwandaise pour repousser cette agression qui venait de l'Ouganda. Et dans les premiers jours et les premières semaines, il y a eu un succès militaire de la part de l'armée rwandaise et de l'armée zaïroise qui était venue l'épauler. Et entre-temps, il y a également les Belges et les Français qui ont envoyé des troupes pour aider à évacuer certains de leurs ressortissants. Et à partir de là, donc la guerre a continué jusqu'à ce que le 30 octobre 1990, tous les éléments de l'armée ougandaise qui avaient envahi le Rwanda aient été repoussés, et toute l'attaque, toutes les troupes, toute l'attaque a été repoussée jusqu'en Ouganda. Donc à partir du 30 octobre 1990, tous les éléments qui avaient envahi le Rwanda ont été repoussés au-delà des frontières, et ils sont retournés en Ouganda. À
partir du moment où l'attaque de l'armée ougandaise a été repoussée par l'armée rwandaise et ses alliés hors des frontières, donc des preuves matérielles notamment ont commencé à être récoltées, ont commencé à être rassemblées. Et à ce moment-là, le gouvernement rwandais a fait un livre blanc qui étayait toutes ces preuves, qui montrait comment c'était l'armée rwandaise, l'armée ougandaise qui avait agressé le Rwanda. Et ce livre blanc a été envoyé dans plusieurs chancelleries. Et l'OIA, donc l'ancêtre de l'Union africaine, a été sollicité notamment avec ce livre blanc qui a été envoyé en demandant à ce que cela soit inscrit à l'agenda et qu'il y ait des sanctions contre l'Ouganda. Et malheureusement, l'OIA a refusé d'inscrire cela sur son agenda. Et il faut aussi, on peut également faire le petit parallèle entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passe actuellement au Congo, parce que c'est pratiquement les mêmes schémas. Une fois la défaite de l'armée ougandaise le 30 octobre 90 consommée, donc à partir de ce moment-là, la stratégie a été changé. À partir de ce moment-là, ils se sont transformés en mouvement politique et surtout, ils ont changé la stratégie en ce qui concerne la guerre en imposant une guérilla qui était pratiquement quelque chose de nouveau qui était opéré au Rwanda. Et dans cette stratégie-là, en utilisant la guérilla, en même temps, ils ont fait des rapprochements avec l'opposition interne au Rwanda et ils ont réussi à endoctriner certaines personnalités de l'opposition et ils ont réussi justement à jouer sur la corde de la fracture ethnique et la fracture régionale dans la composition sociale du Rwanda. Et donc ils ont réussi à faire en sorte que il y ait le front militaire, bien évidemment avec la guérilla, mais aussi à l'intérieur qui est des tensions et un front politique qui était ouvert par l'opposition, parce qu'il est à rappeler qu'à ce moment-là, la démocratisation était en route et la guerre n'a pas arrêté la démocratisation, donc la guerre n'a pas arrêté les activités politiques en interne, ce qui a permis justement à l'agresseur, à ceux qui nous agressaient à l'époque, de jouer sur les deux cordes en utilisant également l'opposition interne. Cette stratégie a culminé lorsque, en 1992, le FPR, toujours appuyé par l'Ouganda de Museveni, a fait une rencontre avec l'opposition interne au Rwanda. Et cette rencontre s'est passée à Bruxelles. Et à ce moment-là, ils ont signé des accords. Et ces accords qui disaient qu'ils devaient combattre le pouvoir en place au Rwanda et chasser ce pouvoir par tous les moyens. Il faut souligner que bien avant le discours de la Bolle, où le président Mitterrand a demandé à beaucoup de pays africains de démocratiser leur système politique, le président Habyarimana avait décidé bien avant, à la fin des années 80, d'instaurer une adjournamento politique. Cette volonté qu'il avait, c'était de mettre la démocratie dans toutes les couches sociales du pays. Et c'est un processus qu'il avait bien commencé avant la guerre. Et avec la guerre et donc cet accord dont je viens de vous parler entre le FPR et les partis politiques de l'opposition interne, donc à partir de ce moment-là, il a décidé de continuer ce processus-là, d'autant plus que aussi, sous un autre plan, il y avait également les bailleurs de fonds qui insistaient pour la continuité de la démocratisation du pays, sans laquelle le pays n'allait pas avoir l'aide dont il avait besoin. Et comme vous savez, c'est un pays qui, en partie aussi, avait besoin de l'aide des bailleurs de fonds. Et donc, à partir de ce moment-là, le président Habyarimana
a trouvé un moyen de continuer cette démocratisation, mais en même temps faire face à cette agression dont faisait l'objet le Rwanda. Et pour y parvenir, il a réussi à convaincre une grande partie de l'opposition interne, l'opposition bien sûr à son pouvoir, et une grande partie de cette opposition s'est ralliée à lui parce que finalement il venait de se rendre compte que l'ennemi du pays c'est le FPR et ce n'est pas le pouvoir, parce que le pouvoir c'est quelque chose qui se fait par la démocratie. L'accession au pouvoir c'est quelque chose qui se fait par la démocratie en interne. Et donc à partir de ce moment-là, tous ces opposants, une grande partie de l'opposition, s'est allié à lui pour finir ce problème de la guerre qui était imposée par le FPR et l'Ouganda de Museveni qui continuait à l'appuyer. Le président Habyarimana a donc réussi à convaincre une grande partie de l'opposition de le rejoindre pour finir justement ce problème du pays qui était agressé, de se mettre tous ensemble en tant que Rwandais pour régler d'abord ce problème du Rwanda, du pays qui était agressé. Et ces personnes-là ont vu également sa sincérité, parce que il a eu à leur partager notamment sa volonté de ne pas s'éterniser au pouvoir. Et dans cette volonté de ne pas s'éterniser au pouvoir, il n'excluait même pas de faire en sorte que éventuellement même quelqu'un qui n'est pas forcément de son parti puisse lui succéder, mais que cela soit quelque chose qui garantisse l'unité et la paix dans le pays. D'ailleurs, pour preuve, il en a également fait part à l'ambassadeur de France à l'époque, qui a fait un câble qu'il a envoyé à l'Élysée, dans lequel il transcrivait tout ce que le président Habyarimana lui avait dit justement concernant sa volonté de pacifier le pays et de laisser le pouvoir pour vivre sa retraite méritée. En comprenant cela, le FPR a commencé une stratégie de commencer à mettre la terreur, et en commençant déjà notamment des assassinats politiques. C'est comme ça que plusieurs politiciens de haut rang ont été assassinés à des dates différentes, à partir de 91 ou 92. Et c'est comme ça que notamment quelqu'un comme Monsieur Gapyisi, qui n'appartenait pas au parti du président Habyarimana, a été assassiné. Et pour la petite histoire, Monsieur Gapyisi faisait partie des personnes que le président Habyarimana avait évoquées comme étant un probable successeur. Et donc son assassinat peut éventuellement être lié à cette confidence que le président Habyarimana avait faite à certaines personnes, dont des membres de l'opposition. Et donc, les assassinats politiques ont commencé, et un climat de terreur avec des attentats à l'interne perpétrés par le FPR et à répétition ont commencé à mettre ce climat de terreur dans le pays pour justifier justement probablement ce qui allait arriver après. Dans la stratégie insidieuse du FPR, il tuait des opposants et en même temps, il tuait des membres du parti du président Habyarimana. Justement, c'était pour faire monter cette suspicion entre les différents courants politiques. Et le FPR ne s'est pas arrêté là, parce que il a également commencé à faire des actes de terrorisme en interne, en mettant des bombes dans des gares routières, en lançant des grenades dans des endroits qui étaient bondés de personnes. Tout ça pour instaurer ce climat de terreur. Et il faut aussi souligner que en 1992,
il y a eu des élections dans une partie du nord du pays, qui était la partie qu'on appelait démilitarisée, mais qui était la partie qui était entre le FPR et la partie que contrôlait le gouvernement rwandais. Et à ce moment-là, avec justement l'aide des Nations Unies, il y a eu les premières élections justement post-attaque du FPR, qui étaient des élections communales. Et dans ces élections-là communales, toutes les personnes qui ont été élues, c'était des personnes du parti du président, le MRND. Il y avait notamment aussi des candidats qui étaient issus du FPR, mais aucun de ces candidats n'a gagné. Et deux mois après ces élections, toutes les personnes qui ont été élues, donc tous les maires qu'on appelait bourgmestres au Rwanda, ont tous été assassinés avec leur famille par le FPR. Malgré cette situation de chaos dans tout le pays que le FPR avait instauré, le président Habyarimana a décidé de continuer à donner une chance à la paix. Et c'est dans cette optique-là qu'il y a eu les accords de paix d'Arusha. Il y a eu des négociations entre le FPR et la partie gouvernementale, et en précisant que justement le processus de démocratisation qui avait continué en interne a fait que dans la partie gouvernementale, il y avait également des membres de l'opposition qui faisaient partie de ce gouvernement. Et d'ailleurs, à l'époque de la signature des accords d'Arusha, même le premier ministre était issu de l'opposition et de l'opposition qui était celle qui avait souvent des pourparlers avec le FPR. Mais malgré cela, le président Habyarimana a continué à donner une chance justement à ce processus-là qui devait ramener la paix, et surtout qu'il savait très bien qu'une fois la paix instaurée et le processus démocratique enclenché, le FPR ne prendrait jamais le pouvoir. Donc c'est dans ce contexte que les accords d'Arusha ont été signés en août 1993, et ces accords-là devaient permettre justement à ce que la guerre s'arrête et que un processus normal, processus de transition, mais basé sur cette démocratisation qu'ils voulaient impulser dans le pays, que ce processus-là puisse commencer. Et il y a cru, il a donné toutes ses forces pour que justement les choses puissent aller dans ce sens. Le président Habyarimana a continué à donner une chance au processus de paix, parce qu'il savait très bien qu'une fois la paix instaurée et la démocratisation continuer à aller de l'avant, et qu'il y a des élections démocratiques, le FPR ne pouvait jamais accéder au pouvoir par les élections, parce qu'il y avait déjà eu une expérience, comme je vous ai dit précédemment, une expérience dans le nord du pays où le FPR n'avait pas réussi à placer un seul candidat, alors que c'était des élections qui étaient supervisées par l'ONU. Malheureusement pour le pays et pour le peuple rwandais, le FPR n'a jamais cru au processus de démocratisation ni au processus électoral. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont continué à préparer leur stratégie basée sur la prise du pouvoir par la force et sur la guerre. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont trouvé une excuse de dire que le contingent de 600 éléments du FPR qui était cantonné à Kigali dans le cadre des accords de paix d'Arusha ne pouvait pas manger de la nourriture qui était préparée ou qui venait de Kigali. Et donc, ils ont réussi à faire accepter par l'ONU que leur contingent à Kigali puisse être approvisionné à partir des territoires qu'ils occupaient dans le nord du pays. Et donc à partir de là, petit à petit, par ces mouvements justement de convois qui étaient escortés pourtant par des éléments de l'ONU, donc par ces convois, ils ont réussi, par les convois qui étaient censés ramener la nourriture pour ce contingent, ils ont réussi à faire entrer dans la capitale plusieurs cargaisons d'armes et cinq fois plus que le nombre de personnes
qui était prévue par les accords d'Arusha, ce qui veut dire qu'au lieu de 600 éléments armés du FPR qui devaient être armés par des armes légères, 600 éléments du FPR qui étaient prévus par l'accord d'Arusha, au final, c'est plus de 3000 éléments du FPR qui étaient lourdement armés, qui étaient éparpillés un peu partout dans la capitale rwandaise. Et c'est par ce même moyen que les missiles qui ont abattu l'avion qui transportait le président Habyarimana et le président du Burundi le 6 avril. Et c'est comme ça que ces missiles-là ont été introduits à Kigali auprès du contingent du FPR qui se trouvait à Kigali. Avec le climat de terreur dont je parlais, que le FPR avait instauré dans la capitale, ma petite sœur Marie Merci et moi-même, qui étudions à l'époque au Rwanda, nous avons malheureusement dû être évacués pour étudier à l'étranger, et nous sommes allés étudier en Égypte pour des raisons de sécurité, parce que plusieurs services, dont les services rwandais et des services occidentaux, avaient reçu des informations comme quoi le FPR voulait nous kidnapper pour mettre la pression sur le président Habyarimana. Et c'est dans ce contexte-là que mon père, qui voulait tout le temps que ses enfants étudient au moins jusqu'au niveau des universités pour qu'ils étudient au Rwanda, il a finalement cédé et accepté que pour des raisons de sécurité, ma petite sœur et moi, qui étions les derniers enfants à être présents au Rwanda, on puisse aller en Égypte pour étudier là-bas. Et donc nous étions rentrés pour les vacances de Pâques. Et c'est comme ça que nous avons trouvé que le climat s'était encore plus alourdi avec des escortes militaires beaucoup plus importantes, alors que mon père avant ne supportait pas du tout d'avoir des escortes militaires. D'ailleurs, avant la guerre, pour la petite histoire, mon père, avant la guerre, il nous prenait pour nous promener et on se promenait sans un seul garde du corps, sauf qu'on allait un peu plus loin dans le pays. Parfois, on était accompagné par un ou deux véhicules de garde du corps seulement, et c'est seulement avec ce climat de terreur et d'insécurité instauré par le FPR qu'il a commencé à céder pour des raisons de sécurité. Et donc dans ce contexte-là, nous venons de rentrer au Rwanda pour les vacances de Pâques, et le 3 avril, nous faisons un voyage de Kigali jusqu'à Gisenyi. Ma mère, ma petite sœur et mes cousines ont pris un premier convoi par la route. Ils nous ont précédés. Et mon père et moi, nous sommes partis tous les deux dans un seul véhicule. C'est mon père qui conduisait et moi, j'étais avec lui. Nous sommes partis peut-être une heure après ma mère. Et nous avons écouté de la musique. Je me souviens qu'on écoutait beaucoup du Mozart parce que mon père aimait beaucoup la musique classique. Et ce voyage-là a été les derniers moments que j'ai passé moi personnellement avec mon père. C'est des moments inoubliables parce que nous avons eu beaucoup d'échanges et j'ai vu un homme très apaisé et un homme qui était pratiquement fier de ce qu'il faisait pour le pays. Et durant ce voyage-là, nous nous sommes retrouvés chez des amis à mon père, avec d'autres personnes, notamment aussi ma grande sœur et son mari. Et donc ces amis des parents qui nous ont reçus, ils avaient également invité Jacques Roger Bobo, qui était le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU au Rwanda. Et Jacques Roger Bobo, moi j'ai été personnellement témoin de ce que Jacques Roger Bobo a dit au président Habyarimana. Donc Jacques Roger Bobo qui a dit à mon père que Kagame lui a dit qu'il va éliminer physiquement mon père. Et cela, Jacques Roger Bobo l'a dit à mon père de façon audible. Moi, j'étais là et d'autres témoins qui étaient sur place l'ont entendu. Et donc, par après, le lendemain, nous sommes rentrés. Bien évidemment, ces informations-là n'étaient pas forcément prises à la légère, puisque la sécurité du président, des membres de sa famille était renforcée.
Et c'est comme ça que malheureusement, il y a eu un stratagème avec le voyage que le président a fait à Dar es Salaam pour une réunion que le président Museveni avait commandée, mais qui s'est fait en Tanzanie, à Dar es Salaam. Donc les invitations étaient envoyées par le président de Tanzanie et le président Mobutu aussi qui devait y être ne s'y est pas rendu. Mais le président Habyarimana est parti avec donc l'avion présidentiel rwandais et a retrouvé sur place le président du Burundi. Et le sujet que ce sommet devait traiter, c'était le problème du Burundi et non pas le problème du Rwanda. Et donc, pour la petite histoire, il y avait un avion que le président burundais utilisait, son avion, l'avion de la présidence du Burundi qui était en maintenance à l'étranger. Il y avait un autre qu'il utilisait, mais qu'il avait prêté au président de l'Assemblée nationale pour une mission à Kampala pour aller donner un message au président Museveni. Le président Museveni a mis très longtemps avant de recevoir l'émissaire du président du Burundi, jusqu'à ce que le président Museveni finalement laisse son hôte burundais à Kampala et aille en Tanzanie pour ce sommet-là, dans lequel se retrouvaient mon père et le président du Burundi, Cyprien Ntaryamira. Et au moment de rentrer, parce qu'il y avait des directives sur le plan sécuritaire, des directives que les pilotes de l'avion donnaient régulièrement. Et parmi ces directives-là, c'était éviter de survoler la capitale, de survoler Kigali pendant la nuit à cause des éléments du FPR qu'il y avait et des informations justement qui disaient que ces éléments-là disposaient de missiles. Et donc à partir de ce moment-là, le président Habyarimana qui a demandé au président Ali Hassan Mwinyi de Tanzanie de les héberger, lui et le président Ntaryamira, parce que la nuit commençait à tomber, et le président de Tanzanie, bizarrement, a dit que la Tanzanie n'avait pas pris de disposition pour que les deux chefs d'État puissent passer la nuit sur place. Ce qui est quand même assez étonnant quand on sait que voilà, pour trouver des places pour des petites délégations, c'est pas quelque chose de très difficile. Et il faut aussi préciser que les témoins qui assistaient à cette réunion-là ont rapporté que la réunion était finie bien avant, au plus tard en fin d'après-midi, mais que le président Museveni faisait tout pour emmener d'autres sujets pour que la réunion puisse s'éterniser. Et quand on sait ce qui s'est passé, donc ce qui a fait que finalement le président Habyarimana, qui a pris le président Ntaryamira dans son avion, ils ont décollé de Dar es Salaam, la nuit était déjà tombée, alors que c'était justement quelque chose à éviter. Et le président, donc Museveni, qui a tout fait pour que la réunion tarde le plus possible, pour que les deux chefs d'État puissent partir la nuit déjà étant entamée. Et le président Mwinyi aussi, qui a tout fait pour qu'il ne puisse pas dormir sur place. Et donc c'est par ce trajet-là que, en survolant, en arrivant vers Kigali, l'aéroport se trouve dans une commune qui s'appelle Kanombe, qui est la commune dans laquelle d'ailleurs il y avait notre résidence privée où on habitait, qui est toujours d'ailleurs notre résidence privée, mais pour la petite histoire que le gouvernement actuel du Rwanda a réquisitionné pour en faire un musée sans bien évidemment l'aval de la famille. Mais bon, ça c'est la petite histoire. Et donc pour l'avion a survolé cette résidence-là et je me trouvais à la piscine avec deux de mes cousins, Aimé et Eric. Et on était en train de sortir de la piscine pour rentrer vers la maison. Et quand j'ai entendu le bruit de l'avion, j'ai entendu le bruit d'un avion qui s'approchait, j'ai dit à mes cousins, ça c'est sûrement l'avion de papa, parce qu'on connaissait très bien le bruit de l'avion. C'était le seul jet qui avait au pays. Et étant pratiquement sûr que c'était l'avion de mon père, j'ai dit à mes cousins, attendons qu'il passe au-dessus de nous.
Après, on va rentrer dans la maison, s'essuyer, s'habiller pour attendre qu'il arrive. Et donc, on a vu les lumières de l'avion à travers les arbres parce que c'était la nuit. Et donc, à ce moment-là, nous avons vu l'avion, nous l'avons attendu pour qu'il passe au-dessus de nous. Et à partir de là, nous avons vu des balles, comme des balles traçantes, mais d'une grande intensité. C'était pas des petites balles. On a d'abord entendu un bruit assez assourdissant, et une première balle qui était comme une lumière en fait, est allée vers l'avion, et l'avion a changé de trajectoire. Et tout de suite après, il y a eu un deuxième coup de feu, et le deuxième coup de feu a fait que la grosse lumière qui était en réalité un missile a touché l'avion, et à partir de là, l'avion a explosé en l'air, et les restes sont venus malheureusement s'écraser dans notre résidence de Kanombé. Et c'est comme ça que j'ai vu mon père périr sous mes propres yeux. Et avec des militaires qui sont venus nous aider, mes cousins et moi, nous sommes allés à l'endroit où l'avion s'était crashé pour essayer de voir si on pouvait retrouver les corps, et aussi parce qu'il y a beaucoup de parties qui prenaient feu, pour essayer d'éteindre pour que les voitures qui étaient à côté ne puissent pas prendre feu. Voilà, donc c'est ce jour-là que j'ai vu mon père être arraché comme ça. J'avais 18 ans, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je souhaiterais même à mon pire ennemi de vivre, parce que c'est un jour qui a plongé le Rwanda dans une horreur incommensurable, et toute la région aujourd'hui jusqu'à ce jour continue à en payer les prix. On sait ce qui se passe aujourd'hui au Congo, et pour ceux qui savent pas, il faut rappeler que la genèse de tout ce qui se passe dans cette région-là, c'est ce jour du 6 avril qui a tout enclenché, et surtout aussi ce que le FPR a fait au Rwanda depuis 1990. Certaines personnes se demandent encore qui a assassiné le président Habyarimana. Il faut dire que plusieurs enquêtes ont été diligentées. Il y a eu des instructions en France. Le TPR a engagé des enquêtes. En Espagne aussi, il y a eu des enquêtes. Il y a des enquêtes qui ont été, bien sûr, refermées tout de suite après qu'on voyait vers qui le doigt se pointer. Et malheureusement, l'homme n'étant jamais assez cynique, le comble du cynisme pousse certaines personnes, notamment ceux qui sont au pouvoir à Kigali, dans leur version parfois officielle, de dire que le président Habyarimana a été assassiné par sa propre femme. Je ne sais pas s'il y a plus cynique que cela. D'ailleurs, il y a un avocat de renom qui, à un moment donné, nous a représenté gracieusement, parce que il était dépassé par des versions justement qui couraient à ce sujet, qui a eu à dire: mais qui peut imaginer qu'une femme qui prépare à manger à son mari tous les jours va avoir le cynisme d'engager des personnes, des commandos avec des missiles pour descendre un homme qu'elle aurait pu éventuellement tout simplement empoisonner, ou voilà. Ce n'est pas les parents que nous avons eus. Notre mère est une veuve et pleurait jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas fait son deuil, comme ses enfants d'ailleurs. Mais pousser le cynisme à ce niveau et dire que c'est elle qui a assassiné son mari, c'est vraiment voilà, c'est il n'y a pas de mots. Et il faut préciser que en réalité, le crime n'a profité qu'au FPR. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le FPR continue à en tirer les bénéfices. Et je ne doute pas une seule seconde que si ce n'était pas le FPR qui était à la base de cet assassinat, le FPR lui-même aurait fait une enquête pour se dédouaner de tout.
de toute implication pour se dédouaner, pour assurer en tout cas sa défense pour des siècles. Mais toutes les enquêtes qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, même l'enquête française qui malheureusement s'est soldée par un non-lieu, mais qui n'est pas réellement clôturée parce que d'autres nouveaux éléments pourraient éventuellement la réouvrir, même cette enquête-là ne dit pas que ce n'est pas le FPR, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'éléments qui leur ont permis d'incriminer le FPR. Mais en sachant que certaines personnes du FPR qui ont été convoquées ont refusé expressément de venir pour déposer devant l'instruction française, tout en sachant qu'il n'y avait pas de mécanisme qui pouvait éventuellement les pousser ou les contraindre à venir. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs personnes qui continuent à dire que c'est le FPR qui était derrière cet attentat. Il y a l'enquêteur australien qui s'appelle O'Regan, qui a fait une enquête diligentée par le TPR qui s'est soldée par les mêmes conclusions. Il y a des personnes qui étaient aux côtés de Kagame lui-même, dont ses gardes du corps ou son ancien chef d'état-major, qui disent ouvertement que c'est Kagame qui a organisé cet attentat et que c'est Kagame qui a mis les moyens pour que cet attentat puisse se faire. Et voilà. Donc je pense que l'histoire de toutes les façons, l'histoire n'est jamais terminée tant que l'homme est toujours vivant. Et je sais que les témoins de cette histoire vont continuer à démontrer que c'est Kagame et le FPR qui sont à la base de cet attentat. Et d'ailleurs, ça se sait tellement que même à l'époque où il y a eu un sommet à Sun City, à l'époque de Kabila, Laurent Désiré Kabila, il y a eu un sommet où Laurent Désiré Kabila a eu un clash assez puissant avec Kagame. Et au moment de rentrer, personne n'a voulu monter dans le même avion que Kabila en disant « voilà, on ne veut pas finir comme Habyarimana parce que l'altercation qu'ils avaient eue était tellement forte que les gens commençaient à imaginer que Kagame allait également descendre Kabila comme il a descendu le président Habyarimana. » Mais bon, la mort de Kabila aussi, c'est un autre sujet. Peut-être que les personnes qui sont derrière la mort d'Habyarimana sont les mêmes qui sont derrière celle de Kabila. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas que Habyarimana. Il ne faut pas oublier qu'il y a le président Taliamira, qui est le président d'un autre pays souverain, qui a été assassiné en même temps que le président Habyarimana. Deux chefs d'État qui sont assassinés en même temps, ça ne s'est jamais fait dans le monde. Et que l'ONU continue à être silencieux à ce sujet et que d'autres puissances ou d'autres chefs d'État ne voient pas que le danger vient d'une seule personne, c'est en tout cas quelque chose qu'il faut continuer à croiser. Mais comme aimait bien le dire le président Habyarimana, l'histoire jugera. Rwanda dufite ubumwe n'amahoro duharanire twese amajyambere muvoma yakizatera imbere tuyikeshe umukuru w'igihugu Habyarimana mugabo udacogora muvoma yakizahora imbere.